Kraken Dragon, c'est, ouais, c'est une idée de Lewis Trondheim qui se propose de bouleverser le programme de l'éducation nationale en changeant les cours dispensés dans les lycées par des cours de jeux vidéo, cours de jeux de rôle, cours de langage elfique escrime, choses comme ça, pour préparer les élèves à l'industrie du jeu vidéo qui est quand même beaucoup plus florissante que le reste du marché du travail. Donc voilà, et donc les élèves se retrouvent du jour au lendemain à devoir apprendre à jouer aux jeux vidéo. Donc au début ils trouvent ça génial et puis après ils se rendent compte que c'est pas si simple. Et donc on suit les aventures de Tom, qui est un jeune lycéen un peu inhibé et qui est plutôt nul, enfin qui est pas un très bon élève en matière de jeux vidéo. Ce qui est mon cas parce que moi-même je suis plus jeu de rôle que jeu vidéo. Et donc on le suit, c'est vraiment une histoire de lycée, on le suit dans ses relations avec ses copains, avec ses copines. Et en fait c'est vraiment une histoire de genre série pour ados, sauf qu'au lieu d'apprendre dans une école normale, c'est une école où ils apprennent à jouer aux jeux vidéo. Et donc cette idée de Trondheim, Lewis me l'a proposée il y a quelques temps pour faire des pages dans Spirou. Et donc l'histoire s'est développée au fur et à mesure, une page par semaine. Et moi, ça m'a bien plu parce que je voulais retrouver une espèce de rythme de feuilleton, une histoire marrante, un truc ludique, quoi. Et on s'est bien amusé. Le premier album se suffit à lui-même, et même chaque histoire, chaque page, il y a un peu un gag par page, et ça forme un ensemble, mais donc après, ça peut être décliné à l'infini, et puis même en série télé, au cinéma, pourquoi pas. Thank you.